Hey guys! Ti vidéo ça, m'ta mon Cyril. Dans 3 ans encore, pour déterrer lui. Et puis pour dire, ah, monsieur ça, te dit ça. Sou se yon moun, ki nan 50 ans ou la, kounye la, 55 ans yon konsa kounye la. Et pour les amis, yon Abdou yap acheton Kay Saint-Domingue, yon joun appartement acheté pour 72 000, 150 000 dollars. Et puis, y a mettre le dans Airbnb pour yon faire quoi avec lui? M'pap di ou pas acheter. Mais m'ap di ou pensez en pile et prend en pile précaution. Remarquez, m'pap parle de jeune garçon 30 ans, jeune femme 40 ans, qui brasse la vie. M'parle avec ou qui presque arrive dans l'âge, retirement. Bon, m'explique ou ça m'ple dire. 2000. Malport Saint-Lucie, je viens de m'osoter pour 450 dollars. Je viens de Miami, je me dis, je viens de m'osoter, tout le monde, mon cher, pas vrai, il ne va pas acheter. Les gens commencent à acheter terre, of course, nous plongeons sur ça. Mais il y a un autre phénomène qui passe, c'est qu'il y a un bon retirement funds. Les gens qui presque retire dans l'Europe, dans surtout ancien pays, ancien Union soviétique, qui vient d'un pays qui est comme la Via, Yougoslavie, Prague, genre de pays, ça, yo. Moun sa yo prend l'argent yo, moun nan pays Europe sa yo, et puis moun nan Amérique latine yo prend l'argent yo, yo vin investir aux États-Unis parce que mettez l'argent en banque nan pays sa yo 99 2000 2001 2003 pas vraiment fait sens pour yo, li pa gen un bon intérêt. Mais pendant ce temps gen moun sa yo aux États-Unis qui prend l'argent sa yo, mettez le dans stock market là, y a ba un bon return on investment. Fast forward 2008, marché real estate là effondré. Yon kay yon moun tap acheté pour 200 000 dollars ou ka acheté en 2009-2010 pour 90 000 dollars. Moun ki pa ka acheté kay 200 000 dollars qui te gen bon crédit, qui te gen bon ti économique après tant qu'on a acheté un gros tonton kay Port Saint-Lucie, un gros tonton kay. Et au Cala, on go ton caille et Kissimmee, Pointe-Siana, Orlando, pour 90 000 dollars, on caille 200 000 dollars quelques années avant. Ça qui vient de passer, ou jeune moun sa yo retiré là, qui pas qu'à travailler pour faire nouveau l'argent, pour retourner à standard de vie que vous avez gagné avant, vous faire investissement ça. Et bien, moun sa perdu l'argent aux États-Unis. En pile dans moun sa yo en 2021 mouri pauvre si c'est pas bon Dieu. Mais dans même période ça, les États-Unis créé un nouveau classe moyenne. Parce que quand ça construit dans Port Saint-Lucie, construit dans Miami, qui était construit dans Pembroke Pines, banque là pas te lever le mettre sous dol pour te tourner Ukraine by moun sa yo. Li rete aux États-Unis. Moun ki achete la 90 000 dollars, kounye la en 2021, marché real estate la en flamme. Moun sa vann kay sa pour 400 000 dollars kounye la. So ça veut dire un nouveau groupe de moun en 2007 qui pas de bon économie, mais kounye en 2021 qui ka vann nou kay gen 300 400 000 dollars profit que le fait, li crée un nouveau classe moyenne aux États-Unis. Et puis il détruit une série de l'autre moun dans pays côté ou te investi dans l'économie ça. Ou même qui n'a 55 ans, qui a un bon petit cob couché la banque, qui pral prendre pour investir dans Kay Saint-Domingue, parce que ou moun di ou, li ka déposer cob ça là pour ou, et puis la mette dans Airbnb, et puis wap louer chaque mois, wap voir bien voye cob pour ou, m'pa di ou pas investir. D'ailleurs, moi, j'ai Marcus Beau pour faire conférence, m'a posté vidéo à pour lui. M'a dit pas investir. Mais m'a dit penser en pile. Parce que tout ça qui monte, doit descendre. Tout ça qui monte, doit descendre. Et marché Saint-Domingue, dans son marché depuis 2009-2010, cap monté. Et qu'on y là, nous-mêmes, haïtiens, la caille nous, empêcher nous. À l'investir la caille, nous commençons à regarder ce domaine pour nous capables de pipre la caille. En plus, que plus que 3,5 millions haïtiens qui traversent les frontières à ce domaine. So, nous avons une grosse opportunité. Mais pas oublier, on va monter dans l'âge. Si l'argent s'en prend là, qu'on y est là, on investit, qu'on est que
ou non période gambling avec lui. M'encourager pour investir, mais m'encourager pour investir avec un pile précaution. Et moi-même, personnellement, si je t'ai investi, si je t'ai conseillé un parent pour investir, je t'ai dit qu'il y a de l'argent aux États-Unis à 2%, 3% à la banque. Parce que ou le monde va le frapper en récession, il y a trop d'argent qui a circulé dans le monde, ça a gagné. Il y a trop d'argent qu'on a imprimé par peur en 2020. Banque centrale, elle va commencer à rentrer l'argent. Elle va commencer à rentrer l'argent, elle va serrer le marché de l'estate là. Marché mortgage là, lending market là pour prêter l'argent. Immédiatement, on serre le marché lending market là, on va avoir une crise économique dans l'Europe, si tout le monde s'est acheté en Europe, on va avoir une crise économique aux États-Unis, ou même qu'on est là, on va mettre caisse pour vendre, parce que si on gagne, on gagne caisse, on va payer mortgage. Et puis, par exemple, le monde qui va venir en vacances, qui va louer dans Airbnb, et pour gagner caisse pour ici, si on perd ni caisse, ni caisse là, définitivement, on choisit quitter caisse, on va aller. Si vous choisissez de quitter Kaizen ou Mengnale, vous mettez le sous-marché en vent. Si vous décidez de mettre le, si vous décidez de mettre le, vous en Europe décidez de mettre le Kaizen sous-marché, vous pouvez gagner low supply and demand. Ça veut dire que vous avez plus Kaizen ou Mengnale que les gens qui veulent acheter et vous avez une banque qui veut financer aussi rapide que j'ai fait pour en 2021. Vous avez pour nous même haïtiens qui ont critiqué ce domaine. Nous aider classe moyenne dominicaine dans 2, 3 ans, 4 ans qui viennent là, plus qu'à effort d'un bel appartement que le pack à effort de Kounye là, parce que l'en commence à mettre le sous-marché. Nous pas qu'à vendre, nous avons réduit le prix, et puis le marché a effondré. Et bien l'en nous prend le perdre, c'est normal ou qu'à jouer un petit dominicain, ou pas monter acheter pour 70 000 dollars, jouer un petit dominicain pour 40 000. Ou même Kounye là, dans 55 ans, bah l'état mou fin goumé avec Kaisa là, ou qu'il y a 60, 65 pour le bagage. Pour aller mourir, et puis lui-même, il a un caille qu'on est là pour faire 20-25 ans la peine de joie. Je dis ça encore. Ou je prends un pile de temps pour m'expliquer, parce que c'est extrêmement difficile pour expliquer aux gens qui sont là. Je dis que nous ne pas investir dans Bitcoin, of course, vous voyez ça qui passe. Il saute dans 50 000, il descend dans 14 000, il saute dans 14 000, il monte dans 60 000, il descend encore dans 30 000, il monte. So, choc ça, il faut qu'on ait rien. Économique pour prendre choc ça yo. Et moun pauv toujours émotionnel d'investissement, moun pauv toujours acheter high et yo toujours vendre low. Pas quitter ça arriver nous. OK? Sincèrement, me senti que m'ra blabla même peut-être en pile nous à comprendre ça m'a dire. Sou nan 55 ans, pral nan 60 ans qu'on est là, pas prendre en trap moun ou pral acheter kay Saint-Domingue et puis yo di a mettre dans Airbnb pour faire cob. Veille économie. I love you. Mwah!